Éric Maria Couturier, je suis violoncelliste à l'Ensemble Intercontemporain depuis 12 ans. L'Ensemble Intercontemporain m'a apporté beaucoup de choses et je suis un passionné de surprises. Je me souviens notamment de la première répétition avec Pierre Boulez pour l'œuvre de Dérive 2. J'ai eu justement la surprise de découvrir que c'était le lendemain que je devais répéter pour la première fois avec Pierre, et j'avais travaillé la pièce de Répond. Je m'étais un petit peu trompé, du coup j'ai calculé qu'il me restait de 19h jusqu'à 6h du matin pour monter la pièce. Ça s'est heureusement très bien passé puisque voilà, j'étais chaleureusement accueilli, mais j'avais un petit peu la pression. Je suis passionné d'artisanat, de lutherie, d'archeterie. J'utilise un violoncelle de Franck Ravatin, qui est un des plus grands modèles, une copie de Stradivarius, le modèle Servet. Également un archet de Claudia Carmona pour les choses très intimes, comme les œuvres de Matthias Pinscher. Un archet également de Richard Salin, que j'ai utilisé pour la pièce de Dai Fujikura. Un archet de Georges Tefaut pour Message Esquisse. Et aujourd'hui, j'utilise un archet de Jean Grimberger pour la pièce de Zoltán Kodály. Une pièce que Zoltán Kodály a écrite en 1914 et qui regroupe toutes les difficultés de l'époque, mais finalement qu'on utilise aussi aujourd'hui, comme les froissements, les brouillards, les pids extrêmement forts et les archets choqués sur plusieurs cordes en même temps. Tout ça, ça fait partie de notre langage aujourd'hui, c'est pour ça que je suis content de l'illustrer pour vous.